Bonjour, cette vidéo est une introduction au calcul littéraire. Avant de nous intéresser au calcul avec des lettres, nous allons regarder comment nous additionnons intuitivement des pommes de terre. Si je vous dis 3 patates plus 2 patates, vous me répondez rapidement 5 patates. Alors, comment procédons pour calculer cela? 3 patates, c'est une pomme de terre plus une autre pomme de terre plus une troisième pomme de terre, ce qui crée le premier groupe. Plus deux patates, c'est un groupe de une pomme de terre plus une deuxième pomme de terre. Au total, ces deux groupes ensemble forment un groupe de cinq pommes de terre. On dira donc cinq patates. Facile? Passons au calcul avec les lettres. En mathématiques, nous travaillons très souvent avec des nombres que nous ne connaissons pas. Alors la phrase Le nombre que je ne connais pas est très long à écrire. Pour gagner du temps, on va la remplacer par un mot. Et le mot le plus court, c'est un mot d'une lettre. En mathématiques, on a choisi la lettre X le plus souvent. Ce sera celle qui sera utilisée pour des raisons historiques. Alors imaginons que je veuille écrire, calculer 3 fois le nombre que je ne connais pas, additionné à 2 fois le nombre que je ne connais pas. C'est donc très long à écrire. Pour gagner du temps, on écrira. Le nombre que je ne connais pas, c'est x. Son triple, on va le noter 3 fois x, et vous avez vu en quatrième qu'on n'est pas obligé d'écrire le symbole multiplié devant une lettre, plus 2 fois le nombre que je ne connais pas. Ça saute aux yeux, on gagne énormément de temps en utilisant le calcul littéral. Alors, comment additionner 3x plus 2x? De façon intuitive, on peut réfléchir exactement comme avec les pommes de terre. 3 patates plus 2 patates, c'est égal à 5 patates. Autrement dit, 3x plus 2x, c'est égal à 5x. Si on regarde un petit peu dans le détail comment ça se passe, exactement comme avec les pommes de terre, 3x c'est 3 fois x, le triple de x. Autrement dit, c'est le nombre x plus le nombre x plus le nombre x, auquel j'ajoute 2x, c'est-à-dire le double de x. Autrement dit, x plus x. Au total, ces deux groupes forme bien 5 fois le nombre x que je note, 5x. Je ne suis pas obligé d'écrire le symbole multiplié.